Qu'est-ce que tu crois quand moi je crois que l'on s'oubliera? Crois-tu vraiment que je pense encore à toi? Mais où on s'est vu déjà? Sans perdre pied, j'ai défilé et j'ai eu le choix. L'amour ne s'attache pas, ne s'avoue pas comme autrefois. Tu peux baisser les bras. Oh, oh, oh. Tout ça me fait ni chaud ni froid. De ce que tu as vu entre nous, j'ai déjà changé les draps. Mais où on s'est vu déjà? Qu'est-ce que tu fous là? À quoi tu joues? C'est une partie que tu ne gagneras pas. Tu peux baisser les bras. Mélissa Ouimet, bienvenue à l'émission Court Circuit. Yeah, merci. On est là tout de suite après ton soundcheck, donc on est vraiment dans l'ambiance de ton spectacle. J'ai envie tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de revenir à l'année 2018, okay. Année de la sortie de ton premier album, Amour Jetable. Comment tu te sens là, sur ce regard, sur cette année qui vient de s'écouler et tout ce qui s'est passé avec cet album? Je suis super contente. Cet album-là, c'est l'album qui me représente le plus, le deuxième. T'sais, on fait le premier, on est vraiment dans le... On découvre en même temps qui on est. Puis avec cet EP-là qu'on a sorti au printemps, je trouve que c'est ça. C'est moi, c'est mes influences. C'est la fille qui est de plus en plus « groundée », qui est très... j'ai toujours été terre à terre, je pense, mais là, je suis vraiment plus... je sais pas, t'sais, on apprend, on vieillit, puis... Ben, c'est ça, je suis contente de tout ce que j'ai eu en 2018, les opportunités de spectacle, les gens avec qui j'ai travaillé, les vidéoclips qu'on a sortis, parce que pour moi, c'est important de raconter mon histoire aussi visuellement, aussi que j'ai mon copain qui fait du vidéo, donc j'ai cette chance-là. Mais je suis super contente de ce qui s'est passé en 2018, puis 2019 m'arrive comme ça avec plein de belles surprises, donc je pense que ça va être une belle année aussi. Exactement, ça débute bien, on vient d'apprendre les nominations au Gala Triov, on en parlait juste avant l'entrevue, c'est vraiment génial. Rappelle-moi, tu as album EP, artiste solo? Oui, artiste solo ou groupe rock. Puis il y a aussi Mon Dieu, elle oublie. Et puis, est-ce que c'est chanson primée? Chanson primée, ok, donc c'est quand même 4 nominations. C'est pas rien. Là aussi, tu me disais, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, qui est une reconnaissance. Oui, vraiment, quand j'ai su ça, j'étais super contente. Tu sais, on travaille fort, on est passionnés.
On donne de notre meilleur, de notre best, puis ben tu sais, on le sait jamais vers quoi ça peut, mm-hmm. qu'est-ce que ça peut nous apporter. Mm-hmm. Puis d'avoir ces nominations-là, ça me fait tellement chaud au cœur, puis je suis contente chez nous aussi, tu sais, d'avoir ça, puis c'est une belle tape dans le dos, puis mm-hmm. c'est ça, ça fait une fille vraiment heureuse. Ben c'est très mérité, c'est vraiment, c'est une reconnaissance très légitime. Tu le mentionnais rapidement, cet album-là, c'est de la musique très énergique, il y a beaucoup à découvrir, on va en discuter, mais il y a aussi donc beaucoup d'éléments visuels qui l'accompagnent, tant dans le look des photos qui est vraiment très esthétique, que dans un clip comme La ville s'endort, il y a vraiment beaucoup de jeux là aussi qui a été fait. Est-ce que tu peux me parler de cette démarche visuelle qui entoure ta musique? Parce qu'on, ce qu'on voulait avec La ville s'endort, c'est justement, j'avais envie de m'entourer de danseurs. Mm-hmm. J'avais le goût de faire quelque chose de visuel avec la ville. Puis on a eu cette opportunité-là d'aller tourner au Vieux-Port de Montréal. C'était vraiment ça que j'avais dans ma tête. Je pensais jamais que ça allait être possible. Ben, pas que je pensais pas, mais ça a été une belle réalisation de travailler avec ces danseurs là aussi, puis le jeu avec les cellulaires, j'avais le goût d'amener quelque chose un peu, tu sais, par rapport à la réalité d'aujourd'hui, tu sais, mm-hmm. qu'on est un peu dépendant de ça aussi. J'aime ça dire les choses de façon ironique, puis de moquer un peu des fois des situations dans lesquelles, même moi, là, je suis un peu piégée par ça. Mais c'est important de raconter l'histoire autant visuellement qu'en chanson, tu sais, mm-hmm. c'est les deux, c'est des beaux projets. Même chose qu'on a fait pour le vidéoclip d'Amour jetable, où on voyait vraiment un couple qui était ensemble, mm-hmm. qui était en date, comme on dit, puis qu'on voyait après ça l'autre personne, OK, non, elle était avec une autre personne, et c'était vraiment pour montrer la société aujourd'hui, tu sais, autant qu'on jette l'amour, mais mm-hmm. aussi qu'on consomme rapidement. Mm-hmm. Puis pourtant, puis pour toi aussi, j'avais le goût de faire ça. Donc, c'est ça, j'ai vraiment cheminé aussi au niveau de mon style, là, même si en ce moment, je viens de sortir de telle façon. Mais tu sais, c'est ça, j'ai voulu aller plus loin dans mon identité, donc puis je me suis bien entourée, je suis vraiment choyée de travailler avec tout ce beau monde-là. On essaye ça? Ça va comme si, ça fait... Hey! C'est super sympa! Je peux vous entendre? On t'a pas noche, hein? Vous êtes prêts? Ils sont pas ça? Wouh! Donc, ça va revenir dans le refrain. Et je vais avoir besoin de vous autres, OK? Mille et un commentaires, ça fera du bruit. Y a de quoi être fier si quelqu'un t'envie. Faut jouer le jeu de la poudre aux yeux. Ça va plaire, monsieur, monsieur. Tu ne t'es jamais douté que la terre est ronde, mais tu sais les faire tourner autour de ton monde. Faut jouer le jeu de la poudre aux yeux. Ça va plaire, monsieur, monsieur. Ça va plaire. Parce que la ville s'endort, parce que la ville s'endort. À suivre l'illusion à travers le décor. Parce que la ville s'endort, parce que la besoin d'un psy, faut jouer le jeu de la poudre aux yeux. Tu vas plaire, monsieur, monsieur. Let's go! Parce que la ville s'endort, parce que la ville s'endort. À suivre l'illusion à travers le décor. Parce que la ville s'endort, parce que la ville s'endort. À suivre sans raison, à faire la file encore. Yeah.
Se regarder le bout du nez devant l'infini, avoir si peur de se mouiller que l'on se noie d'ennui, avoir trouvé l'idée du siècle quelques secondes trop tard, vouloir un parcours sans échec, c'est prendre un faux départ. Quand l'heure exacte sur le cadran est fixée sur le mauvais jour, quand tricher pour gagner du temps te fait prendre encore un détour. La route s'étend peut-être, où le brouillard s'arrête. On voit ce que l'on veut voir, on croit ce que l'on veut croire. Qui sait, à tout moment le temps peut changer. On voit ce que l'on veut voir, on croit ce que l'on veut croire. Qui sait, à tout moment. Le dernier au départ finira en tête. Quand prétendre tout savoir, c'est d'être un peu bête. On peut choisir d'entendre oui quand on nous dit non. On peut avoir tort aussi à suivre la raison. Les apparences peuvent nous déjouer comme un visage à deux côtés. Les apparences veulent nous flouer. Il faut savoir où regarder. La route s'étend peut-être, où le brouillard s'arrête. On voit ce que l'on veut voir, on croit ce que l'on veut croire. Et qui sait, à tout moment le temps peut changer. On voit ce que l'on veut voir, on croit ce que l'on veut croire. Et qui sait, à tout moment. Qu'est-ce que tu dirais justement? Tu dis que tu as été plus loin par rapport au premier projet. Est-ce que celui-là, tu dirais qu'il est plus personnel ou c'est toi qui as évolué et peut-être c'est la maturité avec le temps? Comment tu compares les deux en termes de ta démarche, des thèmes abordés également? Je pense que c'est au niveau de... Je me suis plus écoutée. Plus osée. Oui, puis je suis plus au courant de ce que j'ai envie aussi, parce qu'au départ, tu sais, tu te dis, ah, je veux faire de la musique, je sais que mon son était rock, mais tu y vas dans une lignée, des fois, tu te rends compte, ah, ben non, mais finalement, j'aime ça, puis j'ai le goût d'ajouter ça. Mm-hmm. Puis je trouve que celui-là, c'est un beau cocktail de tout ce que j'aime. Puis au niveau des thèmes, ben je pense que ça, j'ai toujours été quelqu'un qui aime mettre sur table ce que des fois on préfère mettre sous le tapis. Puis c'est ça que je fais aussi avec le EP. Mm-hmm. Je suis comme ça, j'aime ça les sujets chauds, j'aime ça parler de choses, puis de dire aussi, puis
d'essayer d'être positive puis de passer des beaux messages auprès de, des gens. Donc, je pense que c'est vraiment aussi parce que le EP, j'ai été complètement artiste indépendante. Donc, j'ai appris beaucoup avec ça, puis ça a permis autant de connaître encore plus le côté très planification business, puis aussi avec le côté artiste. Donc, en fait, je me suis entourée de gens que moi-même j'ai choisi. Donc, je pense que c'est ça la différence du fait que le projet au complet me ressemble plus. C'est quelque chose de plus approfondi encore. Tu le mentionnais, t'aimes parler des sujets chauds et parfois t'aimes les remettre sur la table d'une certaine manière. Là, je fais tout de suite référence à ta chanson « Personne ne pourra m'arrêter » que t'as ressorti. Ça faisait partie de ton premier projet, c'est ça? Et puis, peux-tu me parler un petit peu de celui que t'as ressorti au mois de novembre dernier et puis de ce que ça représente pour toi, l'engagement? On fait référence, bien sûr, à ce qui s'est passé en Ontario de manière politique. Pour moi, c'était important. Quand j'ai su ça, au départ, j'étais fâchée. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer pas nécessairement changer les choses, mais pour faire du mouvement, pour faire en sorte qu'on ait encore plus d'écho. Puis j'ai repassé la chanson « Personne ne pourra m'arrêter » dans ma tête. Je me disais, my God, on dirait que c'est comme écrit pour notre situation en ce moment. Donc, puis c'est ça, je te lance sur cette situation, je vais la remettre en contexte juste pour les téléspectateurs, les coupures budgétaires et puis des institutions phares pour les francophones de l'Ontario. Ça t'a tout de suite inspiré. Ah ouais, ça m'a rentré dedans, comme on dit. J'ai appelé l'auteur de la parolière de la chanson, Amélie Lara, qui est une de mes amies, puis j'ai dit, écoute, j'ai un projet en tête. J'ai envie justement que ce soit des artistes de la francophonie au complet, tu sais, qu'on sente qu'il y a un support, qu'il y a un soutien, qu'il n'y a plus de barrières, qu'on est rassemblés, que ça touche la francophonie aussi au complet au Canada, parce que ça commence petit peu par petit peu, puis après, tu sais, ça se peut que ça touche aussi d'autres régions. Donc, pour moi, c'est important d'avoir les voix, les couleurs, les accents de tout le monde là-dedans. Donc, j'ai dit, j'ai un projet, ça tente de m'aider, puis elle m'a dit, écoute, on va changer le pont pour la cause, tu sais, on va mettre ça plus à justement pour vous, pour votre cause. Donc, finalement, les artistes sont enregistrés. Puis pour moi, c'est tellement un beau cadeau. J'étais comme une petite fille à Noël. Là. J'entendais tout le monde faire leur bout de chanson, leur bout de parole. Puis j'étais vraiment émue. Puis je suis tellement contente puis heureuse. Puis je l'ai fait pour la communauté. Puis je l'ai fait pour nous. Pour moi, c'est important qu'il y ait autant des amis que j'ai croisés, des artistes sur des spectacles avec qui que j'aime beaucoup, tu sais, puis que je voulais qu'il soit là. Autant des pionniers comme Breen Leboeuf qui était là, que j'étais super émue qu'il soit sur cette chanson-là. Donc, ça a fait son bout de chemin, puis ben, j'espère que les gens vont la chanter encore longtemps. On peut dire un nom, ce sera comme comme demain peut-être. Toujours des raisons et des commentaires sur ce que je devrais être. Je me fous des barrières, je vais gagner à ma manière. J'allumerai en moi ce qui survivra au-delà des combats. Personne ne pourra m'arrêter, c'est plus fort que moi. Tu peux tenter à essayer de me briser la voix. Ça déraille une bataille, mais je reviens toujours à fond au bord. Qu'on y croit, qu'on aime ou pas, je reste et chante encore. On me mentira, les promesses en l'air ne voleront pas plus loin. Et combien de fois on me guidera sur un mauvais chemin. Qu'importe la distance, je ne donnerai jamais ma chance. Je trouverai la lumière au cœur de la guerre. Je ne pourrai me taire. Personne ne pourra plus fort que moi. Tu peux tenter à essayer de me briser la voix. Ça déraille une bataille, mais je reviens tout.
mort, qu'on y croit, qu'on aime ou pas. Personne ne pourra changer ma voix, mon identité. J'irai encore plus loin qu'hier. Et quand ça tremble trop fort, on se rassemble dehors. Maintenant et pour demain, on se lève. Personne ne pourra m'arrêter. Non, personne ne pourra m'arrêter. C'est plus fort que moi. Je vois aussi, tu as aussi un engagement, des causes qui te tiennent à cœur, comme l'environnement. Ouais. Est-ce que j'imagine, c'est beaucoup de sujets aussi qui inspirent tes chansons. Oui. Et donc, le spectacle que tu présentes aujourd'hui, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus et à quoi ça ressemble sur scène? En fait, ça va être une autre version. On va être en trio acoustique. J'avais envie que les gens entendent bien les textes des chansons. J'avais envie que ce soit quelque chose d'un peu plus rassembleur, un peu comme dans un salon. Okay. On est intime, en gang. En fait, ouais. Chaleureux. Puis ce EP-là, je l'ai fait en sorte aussi que j'avais envie d'inclure le public avec moi. T'sais, j'ai goût de les faire chanter, de les faire participer. Mm-hmm. Donc, ça va être beaucoup les chansons du dernier EP. Puis ben aussi, je pouvais pas passer à côté de refaire Personne ne pourra m'arrêter. Ben oui. parce que c'est une nouvelle version. Parce que ça me tient à cœur, puis j'ai envie que les gens l'entendent encore. Super. C'est quoi les beaux défis, et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh mon Dieu, du fun, du bonheur, beaucoup de musique, des belles rencontres. Je pense que c'est ça, notre milieu aussi, ce qui nous drive et ce qui nous tient là, c'est la rencontre des gens, c'est l'échange qu'on a avec le public, mais autant avec des musiciens, avec les gens de l'industrie qu'on rencontre, donc... Mm-hmm. Je pense que c'est ça. De la santé, du bonheur, de la musique, puis des belles rencontres. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci pour ton énergie. Merci. Oh yes, sir! OK, j'ai besoin d'une chorale maintenant. On va ça. On s'en fait ça? T'as tourné la tête, t'as croisé les bras. Tu dis que peut-être ou peut-être pas. À vous! On attend demain, on attend le sort. Tu attends le train au milieu de nulle part. T'as fermé les yeux devant l'horizon. T'as crié au feu pour un simple 6 ans. C'est tant pis pour toi. Je t'en prie, j'ai pas de temps pour ça. Je t'en prie, ne te retourne pas. Oh, oh, oh. C'est tant pis pour toi. Je t'en prie, j'ai pas de temps pour ça. Je t'en prie, je suis loin déjà. Oh, oh, oh. Come on. T'as douté de nous, t'as douté de moi. T'as douté de tout sans douter de toi. T'as manqué de souffle, t'as trop célébré. Au milieu de la course, tu t'es fait doubler. Tu en as dit trop et tu ne dis rien. Les rails sur tes montres, t'as manqué le train. C'est tant pis pour toi. Je t'en prie, j'ai pas de temps pour ça. Je t'en prie, ne te retourne pas. Oh, oh, oh. C'est tant pis pour toi. Je t'en prie, j'ai pas de temps pour ça. Je t'en prie, quand je suis.
je reprends mon siège, brûlerai le tien. C'est tant pis pour toi, mais tant pis, ne reviendra pas. Je t'en prie, ne te retourne pas. Oh, 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 c'est tant pis pour toi. Mais tant pis, je n'ai pas de temps pour ça. Je t'en prie, moi je suis loin déjà. Oh, 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 c'est tant pis, mais tant pis. Bonne semaine à Contact Ottawa.